Elle a 32 filles à gérer. Oui. Et comme il y a beaucoup de nouvelles, elle ne connaît pas encore tous les prénoms. Est-ce que quelqu'un voit qui c'est Déborah? Ah non, je crois qu'elle n'est pas là. Bah, je l'ai coché tout à l'heure, donc... Elle est peut-être dans la chambre de Gwendoline... Charlotte. Qui c'est Charlotte? Charlotte, c'est... celle qui a un appareil dentaire. Non, c'est pas toi, Lorraine. Elle est rentrée, Lorraine. C'est vrai. Avec les cheveux. Tu vois où elle est? Mais ce qui inquiète le plus Julie, c'est de ne pas voir revenir Marie, 19 ans. Elle a eu une autorisation d'aller manger à l'extérieur, avec des garçons de l'internat. Mais là, elle est vraiment en retard. Je vais essayer de rappeler les collègues, voir s'ils sont venus entre deux. Je vais essayer ça. Julie téléphone à l'étage des garçons. Guillaume, c'est Julie. Ça a quand même abusé, on leur avait dit 21h. Alors en fait, ils sont allés manger quelque chose avec Jérôme. Et le père de Marie nous avait dit maximum 21h. Donc là, du coup, il est pratiquement 9h30-10h, je crois. Donc il faudrait au moins lui dire, même si c'est gentiment, quoi, enfin, faire la remarque, tu vois. Bisous. Ce soir, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. J'aime bien voir jusqu'où nous, on est prêts à aller. C'est un peu comme les parents, quoi. Ah oui, bah, on les remplace, là, du coup, pendant la semaine. On remplace tous les parents. C'est pas tout difficile pour vous, ça? Oui, c'est quand même difficile parce que moi, j'étais pas prête à être mère. Ouais. Et du coup, là, c'est vrai qu'il faut être mère de 32 filles. Mmh. Et quand même un peu des garçons, parce que même si c'est pas mon étage ou ma responsabilité, il faut quand même que je fasse attention à eux. Quand même. Le coup de fil ne l'a pas rassurée. Inquiète, elle descend pour voir si Marie ne traîne pas dans la cour. Les garçons, il va falloir remonter, là. Et les filles aussi. Pas de Marie, mais un autre groupe qui traîne. Non, c'est pas abusé, il faut remonter à 22h. Ah, d'accord. Je croyais que c'était à moi, c'est pour ça. Mais... Non, mais remonter, ce serait bien. À 23 ans, Julie est à peine plus âgée que certains pensionnaires dont elle a la charge. Baptiste, il faudra remonter maintenant. Et face au grand gaillard de son âge, difficile d'avoir de l'autorité. Bah oui, mais il faut remonter à 22h. Mais non, il faut remonter à 22h dans les chambres. Et à 22h30, oui, être prêt à dormir, quoi. Oui, bien sûr, et on est en prépa. Hein. 22h30, on est en train de tenir les DM. Je sais bien, mais il faut pas être dehors, quoi. Faut pas être dehors. Non, je vous ai dit de remonter, là, vous, je m'en rappelle. C'est 22h15. Oui, mais non... Pourquoi nous et pas les autres? Bah non, mais justement, je leur ai dit. Non, on n'est pas des collégiens. Non, mais non, c'est vraiment... Il faut remonter vraiment dans la chambre à 22h, faut plus rester dehors à 22h. Julie est surveillante en attendant de trouver un travail. Mais ce soir, elle en a déjà marre. C'est pas tous les jours facile, on va dire. Tu vas où, Adrien? Je vais fumer. Tu fais vite. Marie et ses copains ne sont toujours pas rentrés. Angoissée, Julie va guetter à la fenêtre. Au-dessus, à l'étage des garçons... C'est bien pour se déplacer. Louis, 15 ans, ne sait plus quoi inventer pour ne pas aller au lit. T'as pas pris ta touche encore? Allez, dans la chambre. L'apparition du surveillant est efficace pour calmer Louis et ses camarades. Non, c'est pas ici, en fait. Les plus aux ailes. Oh merde. Oh merde. Mais le danger n'est pas forcément celui qu'on croit. D'inquiétantes rumeurs circulent à l'étage. Oh, vas-y, Pierre, ferme la porte, s'il te plaît. Ok. Les enfants s'enferment à double tour pour la nuit. C'est bon. C'est bon. Les terminales, il paraît qu'ils vont faire des crasses, donc on prévient un peu, on va dire. Il y a eu des rumeurs, tout ça, donc... Du dentifrice, du shampoing, un truc de gamin, quoi. C'est l'internat, ça. Mais ouais, enfin, j'ai pas envie de retrouver mes godasses avec de la mousse à raser dedans, quoi. Après, je suis pas pour toi, hein. Extinction des feux chez les garçons. Et soulagement pour Julie, Marie arrive. Je vois du monde arriver. Oui, c'est bon. Ah ben on les a retrouvés, c'est déjà ça. Qu'elle traîne pas trop en bas. Déjà qu'elle a trop tiré sur la corde. Ça va pas. C'est un petit peu abusé. Parce qu'après, il faut sûrement qu'elle reprenne sa douche. Et du coup, elle va sûrement réveiller les filles qui dorment peut-être déjà. Donc c'est un peu embêtant. Marie! Bonjour! Comment ça se fait que t'es en retard? Parce que le tram, il avait du retard. D'accord.
C'est vraiment ça? Ouais, j'ai appelé mon père, il est prévenu tout au cas où si jamais vous l'appelez. Ton père, tu l'avais appelé Ouais, ouais, carrément. C'est pour ça, moi, Marie est sauvée par le gong. Oui, allô?